On va parler de quelqu'un d'autre, c'est Brice Hortefeux qui était au centre des critiques après sa dernière condamnation pour violation de la présomption d'innocence, qui vient après la polémique de la semaine dernière sur son soutien aux policiers condamnés à Bobigny. Voici quelques réactions. Je trouve que le ministre de l'Intérieur ne devrait pas s'exprimer sur les condamnations décidées par un tribunal. Je dirais même que c'est une infraction pénale. Je m'abstiendrai de demander une démission qui d'ailleurs que nous n'obtiendrons pas puisque nous n'avons pas les moyens de l'interpellation politique pour le faire. Je ne vois pas l'utilité car de toute façon c'est destiné à rester lettre morte et en vérité il suit l'exemple de celui qu'il a nommé le président de la République. Je sais qu'il y a trop de magistrats dans notre pays qui se comportent comme des militants politiques et qu'il n'y a rien de plus dangereux que le gouvernement des juges. Par conséquent, je ne jetterai pas la pierre en l'occurrence à M. Hortefeux et si je pense que M. Hortefeux est condamnable et critiquable, ça n'est pas tant pour les propos qu'il tient, mais pour les résultats pitoyables qui sont les siens en matière de lutte contre l'insécurité. Rosine Bachelot, est-ce que Brice